J'aimais beaucoup les animaux, enfant, je traînais beaucoup dans les fermes, je passais mon temps, voilà, parmi les animaux, j'aimais ça. J'ai redécouvert les vaches quand je suis revenu à la campagne, et d'un seul coup j'ai découvert cette sorte de tranquillité du paysage, la vache comme ça était là parmi chez elle et tout, et ça y est, ça m'est tombé dessus, c'est un peu, Claudel c'était derrière son pilier, lui c'est bon, c'est Dieu, mais moi c'était une déesse, c'est Yon. C'est Yon, une belle charolaise. Encore que je ne sais pas, elle était peut-être plutôt de couleur, parce qu'ici elles sont un peu croisées, les vaches dans ce temps-là, elles l'étaient. On était un peu moins près de l'INRA, voilà. Et en tout cas, elles avaient des cornes dans ce temps-là, ça j'y tiens. Pour moi, c'est un des maillons importants de l'écologie actuelle, parce que c'est le plus grand de nos ruminants. Dans notre paysage. Parmi les mammifères en France, c'est le plus gros des mammifères. On n'a plus le bison en France. Hein. Bon, il a été réintroduit à droite à gauche, mais il n'est plus dans notre faune sauvage. Dans la faune sauvage, on a le cerf, hein, mais le roc faisait partie de cette faune sauvage qui a disparu. Et la vache, ben, c'est son ancêtre, c'est son descendant. Donc pour moi, c'est vraiment le descendant du plus grand mammifère sauvage qu'il y ait eu sous nos contrées. Le roc, il apparaît sur Terre il y a à peu près 500 000 ans, au Pléistocène moyen. C'est un animal dont les premiers restes osseux sont découverts en Inde. Et il a diffusé très largement, puisqu'il va des côtes atlantiques de l'Europe, on va dire, de chez nous, jusqu'aux côtes pacifiques de l'Asie, hein, et toute l'Afrique du Nord. Donc c'est un animal sauvage qui est à l'origine de tous les bovins domestiques qu'on connaît sur Terre. C'est l'ancêtre sauvage des bovins domestiques. Et le dernier spécimen attesté, c'est en 1627 en Pologne. Une femelle de 30 ans qui est le dernier spécimen attesté sur Terre pour cette espèce sauvage. Alors entre deux, bah, l'histoire du bœuf s'est déclinée il y a 10 000 ans, au Néolithique, donc au Proche-Orient, par la domestication des bovins. Alors, t'es qui toi ? Alors sur certains sites au Proche-Orient, on sait que les bovins d'une manière générale, les bovins sauvages, déjà fascinaient les hommes préhistoriques. On retrouve des maisons sur des sites anciens en Turquie où ils ont mis les bucranes de roc dans les maisons. Et chasser un roc, je pense que c'était du sport. C'était pas un animal qui se laissait capturer et abattre facilement. Donc je pense qu'il y avait déjà c'était un animal qui était déjà perçu de manière très prestigieuse. On a longtemps pensé que ces premiers bovins domestiques avaient été domestiqués pour leur apport en viande. C'est quand même un des animaux les plus gros, les plus imposants, les plus corpulents, et donc qui était susceptible de livrer aussi un bon ravitaillement en viande. Mais ce ravitaillement en viande, cette utilisation des animaux, cette exploitation des animaux pour la viande a été tout à fait possible par la chasse. Donc on n'a pas besoin de domestiquer des animaux pour accéder à leur viande. Et peut-être que l'accès à d'autres produits qui ne se trouvent pas dans la nature, auxquels on n'accède pas directement dans la nature, comme le lait, ça pouvait être une des motivations de la domestication. Et l'utilisation du lait, elle est visible à travers d'autres indices, comme le contenant des céramiques en Grèce révèle très tôt l'exploitation, l'utilisation du lait des bovins, mais aussi de tous les ruminants. Un autre intérêt de ces animaux puissants, c'était peut-être leur utilisation pour
le portage pour le bât, des animaux qui portaient des lourdes charges. La domestication ancienne, on pense plutôt au bât plutôt qu'à la traction. Et la traction, elle est avérée dès le 4e millénaire. Donc on retrouve des engins de traction sur les sites du Jura avec le joug, le double joug pour bovins associé aux travois. Donc ces animaux, ils avaient beaucoup d'autres qualités à faire valoir sur leur palette pour susciter la domestication que la seule viande. Je suis aussi près de la vache que de ma femme. Tous les jours, c'est pas un jour en passant ça. On vit avec en permanence. Voilà. Et doucement. Voilà, doucement. Il y en a qui veulent dresser des bêtes, mais les bêtes, elles sont dehors dans la nature. Elles connaissent le tracteur qui va leur porter la nourriture. De moins en moins, elles connaissent l'homme. Donc, quand on veut dresser une bête qui a 4 ans ou 5 ans et qui fait 800 ou 900 kilos, vous savez, c'est pas facile. Tandis que si vous la chouchoutez quand elle vient de naître, alors là, c'est plus facile. Elle a le contact de l'homme, on va la faire téter matin et soir. Tout ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que c'est plus facile. Quand elle est dressée, elle va vivre 20 ans. La dernière qu'on a vendue dressée, elle avait 22 ans. Un bœuf, quand il arrive à 10 ans, après, il se fait vieux, il marche mal. Ils sont comme tout le monde, quoi. Ils vieillissent pas bien comme les vaches. Aujourd'hui, il n'y a que des numéros, mais il y a des noms aussi. Mais je ne me rappelle la moitié. Je ne me rappelle pas des noms. Avant, quand on les faisait travailler, elles avaient toujours le même nom. Celle de gauche, mascarette, celle de droite, mulette. Et c'était tout comme ça. On arrivait à les faire travailler sur les deux côtés, mais c'était rare. Quand elles sont habituées, celle qui est à gauche, celle qui est à droite, elles le font mieux. Avant, dans une ferme ici, quand on avait travaillé 2 hectares de terre, c'était tout. Aujourd'hui, on n'est que tous les deux, là. On va travailler 8 hectares de maïs, 10 hectares de blé. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire ça qu'avec les vaches. Aujourd'hui, on nous demande de faire trop. Avant, on pouvait vivre avec 20 hectares. Aujourd'hui, vous en avez 100 et encore, ça ne va pas. Voilà. Voilà pourquoi la traction animale, elle disparaît. La spécialisation, effectivement, des races en fonction de leur aptitude, elle est venue petit à petit quand même, parce qu'il y avait d'emblée, depuis toujours, des races qui étaient plus des races laitières, ce qu'on appelait la hollandaise, qui est devenue la frisonne, la fameuse vache pinoire que l'on voit partout. La normande était vraiment une vache qui donnait du lait et du fromage. A contrario, la charolaise était vraiment une vache et depuis toujours à vocation allaitante, bouchère. Il y avait des races mixtes. Il y avait beaucoup de races mixtes. C'est ce qu'on appelait la race mixte, mais qui était à peu près bonne partout. Donc il y a déjà une diminution d'un certain nombre de races locales dès la fin du 19e et le début du 20e, qui va s'accélérer avec les deux grandes guerres, si bien qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un ingénieur agricole, un inspecteur qui était très, très connu, hein, qui s'appelait Monsieur Quittet, qui a dit, écoutez, c'est simple, on a besoin finalement que 6 races en France, 3 laitières, 3 allaitantes. La race allaitante, c'est les races qui donnent de la viande. Ça allait se faire, mais il y a eu un mouvement, en fait, il y a eu un mouvement chez les paysans, chez les agriculteurs, qui
qui tenaient à leur race. Il y a donc beaucoup de races qui, à ce moment-là, ont été préservées par les agriculteurs. Ils considéraient que même si elles étaient peut-être moins productives en termes de lait ou en termes de viande, c'était quand même des animaux qui étaient bien adaptés, qui étaient beaucoup moins malades, qui étaient beaucoup plus longévives, qui n'avaient jamais besoin de voir le vétérinaire, qui faisaient leur vêlage de façon extrêmement facile, qui étaient moins sélectionnés, mais beaucoup plus rustiques. À la fin du XXe siècle, début du XXIe, donc c'est récent, avec cette prise en compte de l'importance du bien manger, du circuit court, de l'agriculture biologique, alors on s'est aperçu que ces races, finalement, étaient tout à fait utiles et qu'il y avait même une demande très forte pour qu'on les maintienne. On va commencer par envoyer tous les animaux de la section 70. Une vache. C'est ma compagne de tous les jours, ma compagne animale évidemment, hein. On ne mélange pas avec les humains. Mais je vis avec une vache depuis toujours, puisque mon père était exploitant, mon père était éleveur émérite. C'est parce qu'on a l'amour de cette vache qu'elle nous le rend bien, c'est tout. Mais évidemment, c'est mon métier, que c'est mon moyen de gagner ma vie. Mais je ne le vois pas forcément comme ça, quoi. Je le vois comme un partenaire, voilà, un partenaire. L'animal 4114 se promène sur le comice. On a un standard de la race montbéliarde et on compare chaque vache à ce standard. Voilà, il n'y a rien de si simple. Le standard, c'est la montbéliarde comme on la veut. Notamment aujourd'hui, la mamelle, elle pèse pour 40%. 40% de la nôtre, c'est la mamelle. Parce que c'est quand même une race laitière. On la traite matin et soir, deux fois par jour, on a affaire avec cette mamelle. Et donc, il y a les longueurs de treillon, les dimensions, enfin c'est à peine technique, mais les attaches, le sillon porteur de la mamelle pour qu'elle tienne bien. Voilà, c'est tout des notes comme ça qui font une note globale. Ces notes, elles n'ont pas été inventées pour faire plaisir à un ou à l'autre. Les notes, elles sont avant tout économiques. Pourquoi on veut une mamelle qui est bien soudée au corps? Mais c'est pour pas qu'il y ait des problèmes de souillure au niveau du sol, pour qu'elle soit moins ballottée, donc moins de problèmes à côté, etc. Pourquoi on veut une longueur importante de la tête? C'est pour qu'il y ait des capacités respiratoires supérieures. Et pourquoi on veut beaucoup de profondeur au niveau du flanc de la vache? Mais c'est pour pouvoir emmagasiner le maximum de fourrage pour produire plus et mieux. Au sujet de cette bête, les Grecs disent que si l'on veut engendrer un mâle, il faut lier le testicule gauche du taureau quand il s'accouple avec la vache, et si l'on veut engendrer une vache, on liera le testicule droit. C'est quand même merveilleux, ça. Je ne sais pas si ça a été mis en cause depuis, mais tout de même. La sélection des animaux en termes de génétique peut avoir mauvaise presse parce qu'on a l'impression qu'on joue aux apprentis sorciers, ce qui n'est pas du tout le cas. On sélectionne des choses par exemple sur la fertilité des animaux, sur la morphologie des animaux, pour avoir des animaux plus robustes, plus solides dans les conditions d'élevage dans lesquelles ils sont, et donc ça contribue aussi à améliorer le bien-être animal parce qu'on a des animaux qui sont mieux adaptés au système dans lequel ils évoluent. Ce qui est certain, c'est qu'en après-guerre, à qui on a demandé de produire en masse tout type de production, c'est plutôt à l'ouest de la France et notamment à la Bretagne. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est un peu dans l'héritage de ça. C'est-à-dire qu'on produit des grandes quantités sans forcément beaucoup de valeur ajoutée. L'éleveur qui livre du lait pour que ça parte dans du lait apte à toute transformation, il n'a pas d'intérêt aujourd'hui, il n'a pas d'incitation à produire un lait de meilleure qualité nutritionnelle. Simplement, lui, ce qu'il faut qu'il voit, c'est sa technique d'élevage et son économie d'élevage. Quand on a besoin de créer des ressources rapides, on vous promet des vaches qui vont donner beaucoup, sans vous dire qu'elles vont vous coûter beaucoup. Si je reprends l'exemple des vaches laitières, comparons par exemple deux vaches dites pinoires, la Holstein, qui est vraiment une race, on va dire, moi que j'appelle une race industrielle, et la Bretonne pinoire. C'est la première, elle est poussée pour produire jusqu'à 40-45 litres par jour, ce qui est absolument incroyable. Quand on sait qu'à la fin du 19e, une vache qui faisait 10 litres, c'était quand même
c'est une belle vache. Elles ont tellement été poussées, elles ont tellement été sélectionnées génétiquement qu'aujourd'hui, au bout de moins de 2 lactations, puisque c'est la moyenne, je crois que c'est 1,96 en France, au bout de 2 lactations, ces vaches partent à la réforme et vont donner en plus une viande plus, assez médiocre. De l'autre côté, vous avez la Bretonne Pinoire, qui est aussi pinoire, noire et blanche, qui est une vache qui va évidemment produire beaucoup moins de lait, moitié moins, mais qui peut faire jusqu'à 12-15 lactations, donc produire 12-15 veaux, qui va vivre jusqu'à 18 ans, qui n'aura quasiment jamais vu le vétérinaire, et qui en plus produit une viande qui est tout à fait bonne. Donc si on regarde bien, entre une vache qui aura fait 2 lactations et vu le vétérinaire, qui aura certes produit beaucoup de lait, mais finalement elle aura probablement coûté plus cher à l'agriculteur en frais de vétérinaire qu'une vache comme la pinoire bretonne, qui sera restée pendant 15 ans chez son agriculteur, qui n'aura jamais vu le vétérinaire et qui au final probablement aura rapporté plus à son propriétaire. La vache est une usine à transformer le verre de l'herbe en la blancheur du lait. Cette chimie l'absorbe. Elle doit même à 2 fois ennemie de la hâte s'y prendre. Et son œil vague ouvert sur la campagne floue, ou lorsque vient l'hiver devant un mur d'étable, elle semble endormie, se désintéresser aussi de l'ophtalmie dont les mouches sans fin l'obsèdent. Je célèbre d'un globe à l'autre et jusqu'au pis ce don de l'ombre. Une vache, c'est un ruminant. C'est donc un animal qui mange des fourrages, principalement de l'herbe en fait, pour produire de la viande ou du lait. Alors l'idéal, là où elles sont le plus efficaces en termes de tri des fibres, c'est quand elles sont couchées. Tout à fait. Puisqu'on a un symptôme alimentaire, c'est 75% des vaches couchées en début d'après-midi. C'est une preuve que le troupeau va bien, rumine bien. Donc une vache, 8 heures à manger, 8 heures à ruminer, 8 heures à faire ses petites affaires, dormir, se déplacer, gérer son côté social. Alors ça, c'est des chiffres très globaux. Évidemment, c'est très variable selon les systèmes de production. Alors le temps passé à manger, il est beaucoup plus long au pâturage parce que l'animal fait des efforts, il va chercher son herbe, il trie, il sent. Ah, ce brin-là lui plaît pas, il va sur celui d'à côté. Donc il s'amuse en fait aussi un peu. Elle sort la langue, elle attrape un brin d'herbe, hop. Elle le ramène dans sa bouche, délicatement, elle le mastique, elle l'avale. Et quand c'est à l'auge, elle prend, pour pas que la copine d'à côté en prenne plus qu'elle, en fait. Et la durée totale de mastication d'un ruminant, c'est entre 1000 et 1100 minutes par jour. Donc un ruminant passe son temps à mastiquer. Et quand il mastique pour la rumination, il fait des mouvements de mâchoire, il broie les fourrages, enfin le mouvement des molaires de l'animal, c'est fantastique, comment ça pulvérise un fourrage, c'est une vraie bétonnière, hein, dans le rumen déjà, et puis ensuite dans la bouche. Elles font le repas principal donc d'une heure et demie, 2 heures le matin. Ensuite, elles vont se coucher milieu de matinée. Elles vont se relever à 11h30 midi pour faire un repas secondaire. Et l'après-midi, elles se couchent pour ruminer, la phase principale de rumination. La nuit, c'est en miroir. Donc il y a aussi repas le soir, petit repas en début de nuit et grande phase de rumination dans la nuit. Elles se couchent et puis c'est un mode mental un peu absent et c'est automatique parce que l'œsophage retourne à l'intérieur, prend ce qui flotte et l'amène à la mâchoire, ça revient dedans et ça descend. Les ruminants ont développé 4
estomac, donc ils ont toujours l'estomac équivalent de le nôtre, c'est la caillette. Et avant, il y a le rumen, c'est la grosse poche qui fait la décantation. Et il y a une petite poche, le réseau, qui est devant, qui est en crânial, et une poche de déshydratation qui est le feuillet. Mais la grosse partie du brassage des fibres pour les trier, pour les ramener au broyage une deuxième fois à la mâchoire, c'est vraiment le rumen, qui a un mouvement de contraction continu, régulier, qui permet de faire de la décantation pour que les fibres longues remontent et puissent être captées et retournées au broyage par la mâchoire. Le ruminant, c'est d'abord un biofermenteur sur quatre pattes. Et donc ce biofermenteur est très compliqué, il y a des bactéries, il y a des protozoaires et même des champignons. Et c'est ce qui fait que le ruminant est un animal qui sur Terre a un pouvoir assez extraordinaire finalement, qui est de convertir en aliments pour l'homme, donc en lait, en viande, des ressources végétales que l'homme ne peut pas consommer directement. Et c'est toutes les ressources qui sont à base de cellulose. Et ces ressources végétales représentent 80% de la production de biomasse sur Terre, hormis les forêts. Vous avez tous entendu ça, il faut 10 kg de protéines pour faire 1 kg de protéines animales, notamment avec les ruminants, c'est des animaux inefficaces. Ces chiffres-là, intrinsèquement, ne sont pas faux, c'est vrai. C'est vrai que pour une vache laitière, en moyenne, il faut entre 3 et 4 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines dans le lait. C'est vrai que pour un bovin producteur de viande, en système extensif, il faut qu'il mange une bonne dizaine de kilos de protéines végétales pour faire 1 kg de protéines animales. C'est vrai. Sauf que, on oublie de dire que l'essentiel de ces protéines ne sont pas consommables par l'homme. Moi, j'ai jamais vu personne accroupi dans une prairie en train de brouter. Et là, on a foin de première coupe. Il faut aller chercher si on a des sucres dedans. Donc, et si on écrase les nœuds des tiges, ben on retrouve le petit goût sucré de la fleur de trèfle. Enfin là c'est une graminée, mais ceux qui savent goûter les fleurs de trèfle où c'est légèrement sucré, près des nœuds des tiges, s'il y a des sucres, c'est là qu'on les retrouve. En fait, c'est la fibre. Quand l'animal le récupère, puisqu'elle va déconstruire des liaisons chimiques, en quelque sorte, entre des molécules de cellulose, eh ben, ça va donner de l'énergie pour la vache pour faire du lait, quoi. Donc, à la limite, plus la digestion est difficile, plus elle est performante. C'est-à-dire, plus elle va récupérer d'énergie solaire que la plante a fixée pour faire sa structure, quoi. L'homme ne peut pas manger d'herbe tout simplement parce que son système digestif ne lui permet pas de digérer la cellulose. On en mange un tout petit peu, on mange bien un peu de salade, hein, ça c'est sûr, mais on n'a que des fermentations dans la partie distale du tube digestif et c'est tout à fait insuffisant pour tirer une part d'énergie importante pour nous. Notre énergie, on la tire d'abord de l'amidon, hein, les pâtes, le riz, ou des protéines qui peuvent être dégradées pour faire de l'énergie, donc la viande est aussi une source d'énergie, mais on est incapable de digérer la cellulose. Il n'y a vraiment que les animaux qui ont un estomac comme les ruminants, avec une panse, qui peuvent digérer cette quantité formidable de cellulose qui est présente sur Terre, en fait. Sur Terre, il y a presque les deux tiers des surfaces immergées, possiblement utilisables pour l'agriculture, sont en fait des surfaces sur lesquelles on ne peut pas faire de culture, parce qu'il fait trop froid ou trop chaud, que les sols sont trop pauvres, il n'y a que de l'herbe qui pousse, et les ruminants sont capables de valoriser ces surfaces-là pour faire de l'aliment pour l'homme. On se rend compte que le ruminant qui mange en système herbagé, eh ben, il produit plus de protéines qu'il n'en consomme. Donc il n'est pas en compétition avec l'alimentation humaine, il est producteur net de protéines. Parce que les ruminants, s'ils sont bien conduits, avec des systèmes révisés et une population de ruminants un peu moins importante au niveau de la planète qu'elle n'est aujourd'hui, c'est vraiment des animaux qui peuvent contribuer très valablement à la sécurité alimentaire mondiale. Ce qui compte quand on veut raisonner cette compétition entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine, c'est la part de protéines que mange l'animal qui aurait pu être mangée par l'homme. Parce que là, on a une perte. Par exemple, quand une vache ou un bovin mange des protéines de blé, on peut se poser de la question de l'intérêt de ça, parce que les protéines de blé, nous, on peut les manger. Hein, c'est la farine du pain. Et du coup, ça pose la question de l'efficacité réelle des systèmes très intensifs.
Alors évidemment, quand le maïs est apparu, alors là, c'est tellement plus simple en silage de maïs, en gros, pour être presque caricatural, mais pas tout à fait, on sème le maïs et on va le récolter, globalement, et on le récolte en une journée, on récolte des hectares et des hectares, et ça se conserve très bien, donc c'est une plante merveilleuse, l'ensilage de maïs. Sauf que l'ensilage de maïs, il a un inconvénient, c'est que c'est bourré en énergie, mais il n'y a pas d'azote. D'où les débats sur le tourteau de soja. Enfin, après la guerre, les gens avaient faim, hein. Et donc fallait produire. Donc c'était le maître mot, ça a été l'origine de la PAC, en fait, hein, de la politique agricole commune. Et donc pour produire, ben, les animaux, on les améliorait génétiquement, mais en les améliorant génétiquement pour la production laitière, on s'est rendu compte que l'appétit ne suivait pas, donc fallait des rations plus denses en énergie. Et pour densifier la ration en énergie, bah, progressivement, on a mis ce qu'on a appelé des concentrés. Donc on a concentré, c'est des céréales en fait, hein. Puis après est arrivé le tourteau, enfin les tourteaux, on parle beaucoup du tourteau de soja, mais il y en a d'autres, qui amènent des sources de protéines pour les animaux. Quand une vache mange un kilo d'ensilage de maïs, il faut pratiquement lui donner du 500 grammes ou plus de soja pour équilibrer sa ration. Donc évidemment, ça ne le fait pas. On considère que pour un hectare d'ensilage de maïs, il faut pratiquement un hectare de soja pour équilibrer les rations des vaches laitières d'aujourd'hui. Donc ça pose d'autres problèmes. Une vache allaitante, souvent c'est quand même dans des systèmes assez extensifs où il y a suffisamment de surface pour nourrir le troupeau, il n'y aurait pas besoin de concentrer. Il se trouve que depuis une quinzaine d'années, on voit dans les statistiques nationales que ces vaches-là reçoivent aussi du concentré. Ça, bon, on peut se poser des questions, pourquoi ? Parce que derrière, comme c'est des animaux qui ont de faibles besoins, si elles reçoivent du concentré, c'est des animaux qui sont moins motivés pour pâturer. Donc on gaspille l'herbe. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui montrent que quand on va vers des rations riches en concentrés pour faire justement produire beaucoup de lait à une vache, on arrive à des problèmes métaboliques de type ce qu'on appelle l'acidose, donc une acidification du milieu humain. Il y a tellement de fermentation que l'animal n'arrive plus à évacuer son acidité et donc il y a des problèmes de pathologie digestive. Ces compléments alimentaires aujourd'hui représentent une part qui reste encore en France notamment assez modérée de l'alimentation. C'est 30% d'une ration d'une vache laitière sur une année. Ça veut dire qu'il y a quand même 70% de fourrage. Ça peut être beaucoup plus dans certains pays et ça pourrait être beaucoup moins si on va vers des élevages plus agroécologiques. À eux, on donne toujours deux grosses fourches comme ça, matin, midi, soir. Oui, deux grandes fourchées. Ah ben, l'hiver, ils ont du foin, de la betterave, du chou. Et quand ils travaillent dur, quand ils font les labours d'automne, on donne des fois un peu de céréales, un peu. On donne un peu de céréales aussi. Mais normalement, si vous avez de la betterave, mangez toujours de la betterave. Bon, on n'a pas besoin de beaucoup de céréales. Mais par contre, si vous n'avez pas de betterave, il faut donner la céréale. Ah oui. Allez. Ah ben ça c'est du chou à vache. Mais bon, on peut en manger aussi, hein. Ça pas. Nous on en mange. Alors en Bretagne ça s'est toujours mangé. Mais c'est autre chose que la céréale. Ça donne du vert, donc le lait est plus gras. Et le beurre jaune, ça fait du beurre jaune. Oh, un goût doux. Oui, il mangera peut-être un peu en mélangeant avec les autres. Le ruminant, il a un rumen qui lui permet de digérer la cellulose. Et donc, ses principales sources d'énergie pour lui vivre, pour son métabolisme hépatique, pour sa production laitière, pour ses muscles, c'est ce qu'on appelle des acides gras volatiles. C'est l'acide acétique, l'acide propionique, l'acide butyrique, mais, et pas du tout le glucose. Il a un dernier produit du rumen qui est le méthane. Et ça, on le sait depuis une quarantaine d'années au moins.
Ce méthane, il représente 5 à 6 % de l'énergie ingérée par les animaux. Donc, les chercheurs ont longtemps cherché à diminuer ça en se disant on va gagner en efficacité. Si la vache émet moins de méthane, eh ben, ça sera plus d'énergie qui sera disponible pour elle vivre. En fait, c'est pas si simple que ça, parce que les fermentations dans le rumen, enfin, ou dans la panse, la panse est un milieu qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc c'est de la chimie de l'hydrogène. Et il faut que, si cet hydrogène-là n'est pas évacué, le rumen va gonfler et finir par exploser. Mais néanmoins, par rapport au méthane, et comme dans toute pollution, le problème c'est la concentration à un endroit. Parce que le méthane, physiologiquement, il semble normal pour la vache. Donc si on n'a pas trop de vaches au même endroit, la pollution, que ce soit par le méthane, que ce soit par les bouses ou les urines, normalement elle est absorbée sans difficulté et recyclée sans difficulté par l'environnement. Enfin, c'est quand même très rare une vache qui rote. Hein. Qu'on l'entende. Oui. On sait aujourd'hui qu'il y a des animaux qui produisent plus de méthane que d'autres. Donc on pourrait imaginer une sélection sur ce critère-là. Le problème, c'est que sélectionner sur ce critère-là, c'est difficile tant qu'on ne sait pas les causes. Est-ce que c'est lié à l'animal lui-même? Est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle la population microbienne du rumen, ce qu'on appelle son microbiome? On ne sait pas bien, donc voilà, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. Alors, on a, au niveau de la recherche, des techniques. Par exemple, distribuer aux animaux des compléments à base d'acide gras polyinsaturé, c'est une façon astucieuse, je dirais, de réduire le méthane. Ça bloque un peu certaines fermentations en fait dans la panse, et en même temps, ça enrichit les produits animaux en acide gras polyinsaturé, donc c'est gagnant-gagnant. Un ruminant produira toujours du méthane, même si on lui donne des concentrés, de l'amidon. Mais si c'est produire du méthane dans des systèmes très intensifs où le ruminant est nourri quasiment comme un animal monogastrique, alors ça c'est une aberration. Et c'est quand même ces systèmes très intensifs qui se sont beaucoup développés aux États-Unis et qui se développent aussi encore beaucoup en Europe. Je m'aperçois que je regarde peut-être moins les vaches, maintenant je regarde les troupeaux. Une vue d'ensemble. Et c'est ce qui me ravit beaucoup dans mes promenades. Et j'aime ces mouvements de troupeaux. Tous les soirs ou chaque matin, ils sont toujours à la même place dans le pré. Et ils ont toujours ce même trajet. Pierre Oster m'avait écrit qu'il y avait eu un mathématicien qui avait fait une étude comparant le trajet des vaches à la voie lactée au ciel. Je trouve ça assez merveilleux, hein. C'est un animal qui occupe l'espace, qui définit des limites. Voilà, ici on est en Franche-Comté, là on est en Savoie, là on est dans le sud de la France. On arrive en Bourgogne, les vaches sont blanches, elles sont plus grosses, elles sont. Enfin, j'ai assez de mal à m'imaginer traverser la France sans qu'il y ait plus de vaches dans les prés. Je sais pas si ça arrivera, j'en sais rien, mais en tout cas. Ce serait plus que l'animal, ce serait l'environnement, enfin les environnements qui, me semble-t-il, seraient modifiés. C'est la culture locale qui est marquée du rapport à l'animal. Hein. Ici, c'est pas vraiment. Tout est organisé autour de la vache. Jusqu'évidemment aux revenus des éleveurs qui dépendent de ça, quoi. S'il n'y a pas de vache, il n'y a pas de lait. S'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de fromage. Et donc, c'est un véritable référent culturel, quoi. Parce que ça entraîne absolument tout, quoi. Tout le reste, quoi. La vie sociale, pas que la vie professionnelle. La vie professionnelle, c'est toutes les organisations agricoles qui se construisent autour de ça, contrôle laitier, insémination, santé, école, lycée agricole, etc. Mais c'est aussi toute la vie dans les villages, quoi. Alors nous, on est arrivé sur Ouessant. Il va y avoir un an, là, en novembre, l'année dernière.
qu'il n'y avait plus de vaches et plus d'élevage à Ouessant, parce qu'il y a eu uniquement de l'agriculture familiale ici jusque dans les années 60, où tout le monde avait ses brebis, ses vaches, ses cochons, et puis ça s'est perdu. Bon, il y a quand même encore quelques personnes qui ont des brebis, ce qui entretient un peu l'espace. C'était une île qui était travaillée à 100%. Hein. C'était une île où il y a eu, moi j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est dans les 2500 personnes qui habitaient sur l'île et qui se nourrissaient exclusivement avec ce qu'ils produisaient ici. Donc tout était travaillé jusqu'au moins de petits carrés de terre. Donc il paraît que c'était une île qui était super bien entretenue et tout. Puis bon, après voilà, quand ça s'est arrêté, bah, la nature reprend ses droits. Ce qui fait aussi le charme d'Ouessant et que voilà, qui est en même temps des zones hyper sauvages et puis des zones où c'est un peu plus ouvert, où il peut y avoir des prairies, et voilà, c'est ça qui est chouette aussi. La mairie d'Ouessant cherchait des éleveurs pour en même temps entretenir l'espace, en même temps amener aussi des produits sur l'île, parce que sur une île, on dépend du continent quand il n'y a plus rien qui est produit sur l'île. Si on peut se comparer à de l'élevage qu'on peut faire par exemple sur le continent, où on ressème des prairies et tout, ici le but c'était de rester le plus naturel possible, donc de rester en prairie naturelle. Et puis en même temps, on reprend aussi des terrains qui avaient déjà été utilisés plus ou moins en agriculture, mais qui étaient un peu des fois au stade de friche, donc avec de la fougère, de la ronce, un peu de la prairie quand même. Mais donc du coup, le fait de l'utiliser, ça va s'améliorer aussi avec le temps et on aura des meilleures prairies par la suite, quoi. On le voit déjà au bout d'un an d'utilisation, ça a pas mal évolué, quoi. Ce qui est particulier, c'est que les vaches vivent, beaucoup d'entre elles vivent au champ. Enfin, il y en a aussi à l'intérieur, mais il y en a beaucoup au champ. Quand vous parcourez la France, vous voyez des vaches. Donc c'est un animal, je dirais, qui décore la campagne, on pourrait presque le dire comme ça. Vous avez des endroits où il y a des troupeaux de moutons, mais c'est très précis comme territoire, c'est dans le sud de la France, certains moments, c'est pas tout le temps, etc. Alors que des vaches, il y en a tout le temps. Donc je dirais que c'est l'animal le plus familier, je pense, quand on voyage en France. Et c'est aussi pour ça qu'il fait qu'on le connaît bien, parce qu'effectivement, vous allez sur l'Aubrac, il y a des vaches, vous montez dans le Jura, il y a des vaches. Donc c'est un animal qui habite la campagne, presque plus que nous finalement, parce que les paysans ne les voient pas tellement, les vaches beaucoup. Le rapport à l'animal a profondément changé, aussi parce qu'on a énormément d'animaux domestiques. Il y a en France autant d'animaux dans les maisons qu'il n'y a de vaches dans les champs, à peu près autant. Donc le rapport entre l'homme et l'animal est en train de changer en Occident, parce qu'il n'est pas le même chez les sociétés africaines et chez les sociétés asiatiques. Donc tout ça fait que tout ça me semble mouvant, et que le droit de tuer l'autre va certainement se discuter. Et c'est d'ailleurs très curieux, parce que les gens sont rarement choqués par la mort du poisson et très choqués par la mort de la poule ou de la vache. Vous voyez, c'est comme aussi on a nous-mêmes, je dirais, nos sympathies, si on veut dire les choses comme ça. Manger, ça engage la totalité, à la fois de notre personne et de la société. Manger, c'est jamais un acte facile. Et manger de la viande, c'est encore plus compliqué, puisque la viande, c'est ce qui nous est le plus proche. Qu'il s'agisse de la chair, du sang, du lait. Donc, de toute l'histoire de l'humanité, on a toujours eu des réflexions autour de la consommation de la viande. Et si on voulait faire rapidement l'histoire de la consommation de la viande, ce que l'on pourrait dire, c'est que nos plus lointains ancêtres étaient bien sûr des végétariens. On le voit à travers leur dentition. Mais à partir du moment où l'humanité va devenir davantage carnivore, elle va connaître sa première grande rupture dans toute son histoire. C'est-à-dire que l'accès à la viande a permis ce qu'on appelle l'encéphalisation, c'est-à-dire l'augmentation du cerveau. Parce que tant qu'on mangeait principalement des végétaux, cela nécessitait un travail considérable de l'appareil digestif. Il fallait donc pouvoir alléger le travail des intestins pour libérer de l'énergie pour le cerveau.
Le cerveau, c'est 2% de notre poids, mais 20% de l'énergie consommée. Donc le passage à une alimentation plus carnée, ça, pour dire les choses simplement, permis de rendre nos ancêtres plus intelligents. Les millénaires passants, on va voir comment la viande va conserver et prendre de plus en plus une importance, finalement, dans la façon dont la société se représente et représente ses divisions. Et le 19e siècle, ça va être à la fois, je dirais, l'âge d'or de la bonne chair pour la bonne bourgeoisie, mais ça va être, même si le terme n'existe pas encore, l'âge de la malbouffe pour l'immense majorité de la population. Alors on parle beaucoup de la fabrication à l'époque de faux pains, de faux vins, mais il faudrait citer aussi la fabrication de fausses viandes. C'est le moment où l'on veut, à partir de gélatine d'os, nourrir le peuple. Et ça va faire la fortune de savants, mais également de quelques capitaines d'industrie, comme le baron de Liebig, qui lance effectivement ces fameux bouillons de viande sans viande, c'est-à-dire à partir de gélatine. Donc la question de « est-ce que je mange ou pas la vache ?» c'est quand même une question un peu de privilégié. Si je suis dans les plaines de Mongolie, je ne me pose pas la question. Si je ne bois pas du lait, je ne peux pas me nourrir, parce qu'il n'y a rien qui pousse dans cet endroit-là. Donc ma nourriture est une nourriture qui repose sur la vache. Et en même temps, il y a tout effectivement toute cette production qu'on pourrait éventuellement vouloir remplacer. Et c'est l'enjeu du débat de se dire, est-ce que finalement la culture cellulaire ne serait pas une option, parce qu'on éviterait la mise à mort de l'animal. Comme ça, on produirait de la masse animale sans animaux. Est-ce que c'est une vraie solution? Alors, ce n'est pas du tout une solution nouvelle, en tout cas dans l'idée, puisque ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Marcellin Berthelot, en 1894, il avait déjà énoncé ce qu'on mangerait en l'an 2000. Et déjà, dans son discours, il disait, grâce à l'industrie, grâce à la chimie, grâce à notre capacité à produire ex nihilo, enfin juste avec de l'énergie, produire des aliments, je cite de mémoire, mais grosso modo, l'homme gagnera en douceur et en moralité, car il arrêtera le massacre des êtres vivants. C'est à la fois une société utopique, mais qui peut être considérée comme cauchemardesque aussi. Parce que justement, là, on revient sur ce qui fait de nous un animal culturel. Claude Lévi-Strauss disait « ce qui doit être bon à manger doit être bon à penser ». Est-ce qu'un agrégat cellulaire, combien même on dit que c'est meilleur pour l'environnement parce qu'il y a moins de carbone, moins de ressources en eau, etc., que ça n'a pas tué d'animal, etc., est-ce que cet agrégat cellulaire, et qui serait soi-disant aussi bon pour ma santé, est-ce que j'ai envie de le manger? Et alors, une fois pour rigoler, oui, certainement. Tous les jours, je ne sais pas. Donc la question de la coexistence de l'homme et de la vache pose un peu toutes ces questions-là. Et de se dire, est-ce qu'il y a une vraie raison de se passer de la vache? Quelles seraient les conséquences? Et est-ce que c'est réaliste ou pas? 50 years ago, after Yuri Gagarin was the first human in space, the world gasped as Neil Armstrong became the first to set foot on the moon. 50 years later, in another giant leap for mankind, Aleph Farms has become the first to produce slaughter-free meat in space. Bon, je crois pas que c'est la science-fiction, justement, l'agriculture cellulaire, parce que c'est la suite logique de ce qui précède. La promotion de l'agriculture cellulaire qui est faite actuellement par les start-up, par les supposés défenseurs des animaux, qui disent que c'est une rupture anthropologique, enfin on va pouvoir manger de la viande sans tuer les animaux, etc. En fait, ça ne tient absolument pas compte que cette agriculture cellulaire, elle apparaît dans le fil de ce qui précède, c'est-à-dire de l'industrialisation de l'élevage et justement de la disparition progressive des animaux. Animales, elles sont au bout de leur logique de production du fait qu'elles ont un impact sur l'environnement, un impact moral sur la leur violence intrinsèque contre les animaux que les gens ne veulent pas voir.
Et du coup, là, il y a cette, du fait des biotechnologies, tout ça, il y a cette possibilité maintenant, bah, finalement, de passer un cap dans l'industrialisation et au lieu de produire la matière animale à partir des animaux, de la produire à partir de la cellule. Mais c'est le même système de pensée, c'est-à-dire qu'on est dans l'extraction de la matière animale à partir des animaux, sauf qu'au lieu d'extraire le porcelet de la truie, on va extraire la cellule de la vache et la faire grossir dans un incubateur. C'est très facile de présenter le processus de fabrication de viande de culture. On prend quelques cellules, qu'on les cultive, qu'elles se multiplient un très très grand nombre de fois, et à la fin, on obtient une très grande quantité de quelque chose qui ressemble à la viande. Qu'est-ce qu'il faut pour que des cellules se multiplient chez un animal vivant ? Il faut de l'énergie, il faut des briques pour construire les protéines, et il faut des hormones et des facteurs de croissance. Vous avez des hormones, j'en ai, le jeune veau aussi en a, donc tout le monde, tous les animaux, tous les mammifères ont des hormones et des facteurs de croissance. Donc il faut rajouter ces hormones et ces facteurs de croissance dans le milieu de culture. Qu'est-ce que c'est que cette potion magique ? C'est quelque chose d'horrible, c'est du sérum de veau fœtal. Comment est-ce qu'on obtient ce sérum de veau fœtal ? On prend une vache gestante, on la tue, on tue le fœtus, le jeune veau en même temps, on prélève tout son sérum, tout son sang, qui est très riche en hormones et de facteurs de croissance parce que la nature est bien faite. Elle a fabriqué plein d'hormones et de facteurs de croissance dans son sérum. Et puis, on rajoute quelques gouttes de ce sérum dans nos cultures, dans les incubateurs. Et on a d'un coup et d'un seul toutes les hormones et tous les facteurs de croissance qu'il faut. Il y a effectivement plusieurs sources pour obtenir des cellules. À la ferme, on travaille avec des cellules pluripotentes qui sont issues de oocytes. Donc elles ne sont pas issues d'un fœtus. D'autres sociétés travaillent sur des technologies basées sur des cellules mûres, isolées d'animaux adultes. Certaines sociétés travaillent avec des cellules issues de placenta ou d'autres sources. Il y a effectivement un grand nombre de sociétés, de possibilités différentes. La viande cultivée commence avec les mêmes cellules qui produisent la viande dans l'animal. On les transfère dans un cultivateur qui reproduisent les mêmes conditions physiques et nutritionnelles que le corps de l'animal. On fournit à ces cellules une matrice qui est l'équivalent de la matrice extracellulaire, de telle manière à ce que ces cellules continuent à se diviser et à s'organiser en tissu musculaire de la même manière qu'elles le feraient dans le corps de l'animal. Les avantages de la viande cultivée sont à trois niveaux. D'un côté, on a besoin uniquement de la quantité de nutriments, d'eau et d'énergie nécessaires à produire le steak. Le deuxième aspect est lié à la santé publique. En fait, on a une viande qui n'utilise aucun antibiotique. Et le troisième aspect, c'est d'être une alternative à l'élevage intensif, industriel, à l'abattage industriel. Et mais l'esprit qui est derrière, c'est un esprit de zootechnicien, complètement identique à celui du 19e siècle. Il y a par exemple Marc Post, là, qui est le pionnier des recherches sur l'agriculture cellulaire, qui dit « mais la viande in vitro, c'est la même chose que la viande issue des animaux, sauf qu'elle grossit en dehors de la vache. » Voilà, c'est ça l'esprit de la zootechnie. C'est que la vache, elle ne sert qu'à produire la matière animale. La viande grossit en dehors de la vache. Mais il ne faut vraiment pas aimer les vaches pour dire ça. L'humanité, de toute façon, c'est une histoire de tension entre culture et nature. C'est ça qui fait qu'on n'est pas un animal tout à fait comme les autres. On est un animal parmi les autres en tant qu'être naturel, mais pas en tant qu'être culturel. Même si les autres ont aussi des bribes de culture dans leur monde, de transmission, etc. Mais enfin, pas autant que nous. Y compris parce qu'ils n'ont pas inventé l'écriture, donc ils ne transmettent que directement d'un animal à un autre animal. Bon. Donc on n'est pas dans les mêmes systèmes de distribution. Mais donc il y a une tension entre nature et culture à toutes les époques. Et il est clair que comme l'humanité, la culture humaine a très déséquilibré la nature qui nous entoure, on est dans un rapport de force qui va être violent. Dans ce rapport de force, et ça, il y aura des choses qui font que ça va remettre en question ce qui nous semble des acquis aujourd'hui. Et ça, c'est inévitable. Alors, c'est toujours pareil, quand il y a un immense combat, comme celui qu'on mène contre le réchauffement climatique, il y aura, j'allais dire, des dégâts collatéraux. Il n'est pas impossible que manger de l'animal vivant soit un de ces dégâts collatéraux.
Mes vaches myrtes sombres sont d'une beauté pure. Mes vaches étoiles pâles sont d'une beauté pure. Mes vaches étoiles vagabondes sont d'une beauté pure. Mes vaches merle noires sont d'une beauté pure. Mes vaches robes noires aux flancs tachetés sont d'une beauté pure. Mes vaches au pelage varié sont d'une beauté pure. Mes vaches aux longues cornes sont d'une beauté pure. Mes vaches girafes en caravane sont d'une beauté pure. Mes vaches girafes nombreux sont d'une beauté pure. Mes vaches au pelage tacheté de poils pareils sont d'une beauté pure.